Donc sur un nouveau jeu qui est donc Nevermind, sorti aujourd'hui sur Xbox One. Alors. Donc un petit jeu d'horreur donc sorti pour l'instant uniquement aux États-Unis, Canada, Mexique et Allemagne. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est tout ça, oui, pas plus. Pour l'instant, il n'est pas prévu en France. Pourquoi? Parce que le studio de développement, c'est un petit studio indé composé de peu de personnes, malheureusement, qui n'ont très peu de moyens, et le PEGI, ça coûte très cher. Donc voilà, donc pour le moment, il n'est pas disponible en France, mais il est en français. Donc c'est une bonne chose, donc si le jeu vous intéresse, vous pouvez donc le choper donc sur les stores étrangers. Voilà, donc ça commence sur un petit... un petit, comment dire, un petit écran d'avertissement, qui commence bien. Vous êtes avertir le joueur de la nature choquante qui peut faire revêtir certaines images de ce jeu. Cela met en scène des événements à caractère violent, agressif, des situations intenses ou traumatisantes pouvant susciter un sentiment d'angoisse et ou des troubles émotionnels. Ça commence bien déjà. En continuant, vous reconnaissez que l'aventure qui vous attend peut s'avérer perturbante et engendrer de vives réactions psychologiques ou physiques chez vous ou chez personne qui vous regarde jouer. C'est prometteur déjà, j'aime bien. Nevermind a été développé avant. Afin d'aider les personnes à mieux appréhender et à gérer leur stress et leur peur. Il est uniquement destiné à des fins de divertissement et d'amélioration du bien-être. D'accord, sympa. Ce jeu n'a pas été évalué par la FDA aux États-Unis, n'a pas pour but de diagnostiquer, traiter ou guérir ou prévenir une quelconque maladie. Et après l'épilepsie, blablabla, et le truc habituel. Bon, allez, du coup, c'est parti. Et du coup, j'avais frisé le menu pour tout lire. Save automatique. Ok. Commencer. Option. Alors. Sensibilité, ouais, ok. Graphisme. Ok. Oh, bizarre le menu. Je suis où là? Ok. Son. Sous-titres activés, voilà. Et la langue, du coup, c'est en français. Il y a quand même beaucoup de langues. Anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais. Après, chinois, coréen, japonais, russe. Voilà. Donc, c'est parti pour Nevermind. On va commencer. Voilà. On va se mettre comme ça, je pense. Ça devrait être pas trop mal. Allez, hop. Commencer. Voilà, donc je connais pas trop le jeu. On va le découvrir ensemble du coup. Sorti ce matin sur Xbox One. Il a l'air d'être prometteur en tout cas. Allez, c'est parti. Par contre, la visite est un petit peu lente. Alors, réactivité. Je suis où? Je suis où? Putain, le menu est bizarre quand même pour les commandes. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Ça devrait être mieux. Sympa les tableaux. Il y a des gens qui ont l'air d'être assez rassurants. Neurologique ou neuro, je ne sais quoi. Bonjour docteur, nos capteurs de reconnaissance faciale nous indiquent que vous êtes le nouveau neuroprobeur de Neurostalgia. Bienvenue dans l'équipe. Nous allons maintenant finaliser votre enregistrement. Appuyez en continuer pour relancer la procédure. Eh bien, continuons. Merci d'être là si tôt aujourd'hui. Il nous est plus facile d'accueillir un nouveau neuroprobeur avant l'arrivée des membres du personnel et des patients. En tant que neuroprobeur, vous allez plonger dans le subconscient de nos patients afin de les aider à guérir leurs troubles psychologiques. Intéressant. Nouvelle méthode psychologique pour guérir les patients, c'est pas mal, ouais. Tu rentres dans leur esprit pour les guérir. C'est original. C'est un travail extrêmement important, et j'imagine risqué, dont les maîtres mots sont sécurité et discrétion. Nous allons à présent vérifier votre identité. Vous allez assister à des scènes intenses et devrez faire face à des situations particulièrement troublantes. Ouais. Une journée de boulot plutôt classique, j'ai envie de dire. C'est rassurant.
Certaines personnes sensibles aux images et aux textes en rapport avec des traumatismes psychologiques peuvent être sujettes à des effets indésirables. Ouais. En poursuivant la procédure, vous en assumerez l'entière responsabilité. Ah bah d'accord, en plus, c'est moi qui assume tout. Ok, super. Bon bah on va accepter. On a quand même le choix. Alors, prénom. Allez. Docteur Clad. Allez, on va faire la simplicité. Hein. Allez, hop. Mon pseudo. Tac. J'ai aucune idée hein, pour les noms, franchement. Voilà, Clad Master. Tac. Toute évidence, vous portez votre lentille Histalgia. Merci d'avoir respecté nos consignes. Vous remarquerez que divers indices et points d'attirer à l'intérieur de l'établissement apparaîtront en surbrillance grâce à cet outil. D'accord. À travers le curseur, je pense. Votre enregistrement est à présent terminé. Veuillez vous rendre dans la zone réservée au personnel situé derrière vous. Votre lentille Histalgia a été synchronisée à votre compte employé et déverrouillera les portes. D'accord. Donc je pense que tout le reste c'est pareil. Hein. Succès déverrouillé, premier jour de travail. Terminé l'enregistrement. Bonjour docteur Clan Master. Ça fait bizarre, moi docteur, jamais de la vie. Non, non, j'ai pas le talent pour. Vous êtes libre d'entrer dans la zone réservée au personnel. Passez les portes derrière vous pour rentrer dans votre bureau. Je vous souhaite une excellente journée. Merci bien. Ah, du coup, quand je passe sur le cur... Sur les... Non. Si. Quand je passe le curseur sur un élément avec lequel je peux interagir, la manette vibre. C'est pas mal, ça. Hey, salut l'ami, comment va? Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Ça fait aussi un bouton que j'ai pas streamé. Donc du coup me voilà sur un nouveau jeu qui est sorti pour l'instant uniquement aux États-Unis, Mexique, Canada et j'oublie toujours celui-là, Allemagne. Pour l'instant il est pas encore sorti en France, mais pourtant il est en français, donc c'est bizarre. Mais il a l'air sympa, donc du coup c'est le début. Je le connais pas trop, donc on le découvre en même temps. Il a l'air intéressant. Un bon petit jeu d'horreur en fait où t'es plongé dans le subconscient des patients. Un petit peu mentalement perturbé et du coup faut les guérir en rentrant dans leur esprit pour enfin on verra bien quoi, après je sais pas trop ce qui va se passer. Ça a l'air en tout cas très original. Alors je vais quand même voir les commandes, tiens j'ai même pas regardé, enfin je sais même pas s'il y avait au fait commandes. Non les commandes c'est juste inverser l'axe Y et la sensibilité du stick. Ouais. Bon, à ce niveau-là, par contre, c'est un petit peu léger. On peut pas voir les commandes, dommage. C'est tout pour aujourd'hui. Pas mal. Carnet, c'est quoi le carnet? Neuroprobing, le Neurostagia Institute, traumatisme. Je pense que c'est les collectibles. Et les traumatismes, c'est les patients qu'on doit traiter, je pense. Une petite sauvegarde. Par contre, ce que je cherche, c'est une touche de sprint. Mais je pense pas qu'il y en ait. Bon, c'est fermé pour l'instant. Docteur Richard Winfield. Ok. Non, c'est dommage, il n'y a pas de touche de sprint. J'essaie toutes les touches, mais non. Les sticks enfoncés, non. Les gâchettes, les boutons, non. Docteur Clanmaster. Ah, ça c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Eh ben écoute, en tout cas, ça va bien, la forme. Toujours. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Le Neurostalgia Institute, Dr. Master, c'est quand même bizarre. Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de Neurostalgia Institute. Voici votre bureau, vous y trouvez tout ce dont vous avez besoin pour travailler dans les meilleures conditions. Votre lentille Histalgia vous connectera à votre ordinateur principal situé en face de votre bureau. Vous pouvez commencer dès que vous le souhaitez. Une fois encore, bienvenue notre petite mais remarquable équipe de neuroprobeurs. C'est un véritable honneur de vous avoir parmi vous. Cordialement, le conseil d'administration du Neurostalgia Institute. Ok. Eh, hey, ils sont passés. Je ne peux pas lire mes notes. Bon. Je ne sais pas sur quoi je travaille. La paix née du chaos. Ah, il y a carrément des sous-titres en plus pour les écritures anglaises à l'écran, c'est cool. Ah, c'est pas mal, ça. À ce niveau-là, c'est quand même bien foutu. Et pourtant, il n'est pas en français, c'est quand même bizarre.
Bah, alors pourquoi il sort pas sur le store français en fait? Parce que les développeurs m'ont expliqué ça hier soir par mail. C'est qu'en fait c'est un petit studio de développement, enfin de développeurs indépendants, et ils sont très peu nombreux et ils ont très peu de budget. Et en fait la classification PEGI, donc en Europe, elle coûte super cher. Et c'est pour ça qu'en fait on a beaucoup de jeux qu'on n'a pas sur le store français, enfin ou européen en général. Et du coup il n'y a que la classification ESRB qui est US quoi. Et malheureusement, bah voilà, donc pour nous c'est mal barré. Je suis pas sûr qu'on l'aurait un de ces quatre sur le store français. Je suis pas sûr. En tout cas, les développeurs espèrent, mais ils sont pas très confiants à ce sujet-là, en tout cas, vu comment ça coûte cher. Alors, carnet. Bah, il est vide pour l'instant. Ah, ah non. Neuroprobing. C'est quoi, c'est un tuto? Vécu à propos, futur, lentille, nostalgie personnelle. Ouais, d'accord. Objectif. Ah, il y a quand même beaucoup de dialogue. Ah, j'ai la flemme de lire. Bon, j'espère qu'il y aura un tuto comme in-game, ça serait quand même préférable, parce que j'ai la flemme de tout lire. Franchement, là, commencer un jeu comme ça avec 3 tonnes de texte, non, non, j'ai la flemme là, je suis fatigué. Alors, choisir un patient. Patient Atrocine. Suivre le docteur. Ah bah oui voilà, intro donc c'est vraiment le tuto donc voilà, nickel. Donc dans le jeu on a donc l'intro et 4 patients par la suite si je comprends bien. Reliquaire, Eisel Spa, Snow Spa, Table Sim. Ça je ne sais pas ce que c'est. Donc intro sim, simulation d'un univers mental créé par Neurostalgia afin de venir en aide aux nouveaux employés. Empreinte explorée à 0%. Bah voilà, let's go. Tac. Et donc ça commence ici. En tout cas, elle est quand même très jolie. J'imagine que c'est là où je vais bosser, dans cette machine un peu futuriste. Pas très rassurante non plus. Ou là-dedans peut-être. Peux plus bouger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est joli. Loading client Manscape imprint. Où est-ce que je vais me retrouver? Dans un esprit humain? Ou... Ouais, suspense. Je me le demande. En tout cas, franchement, le pitch est quand même pas mal. Je trouve que c'est vraiment original, The intro c'est sim is a intéressant. simulated mindscape created by the Neurostalgia Institute to ensure new neuroprobers are fully prepared before working with their first client. Although not as complex as an actual client, the intro sim offers unique guidance to train and remind neuroprobers of the key principles and techniques of neuroprobing. We at the Neurostalgia Institute hope you enjoy this introductory simulation. D'accord, Things donc have si. become Ah. almost unbearable for me. And for my family. Nothing has helped. I guess that's why I'm here. So, if I just talk about my troubles, you'll be able to use it later to help with the procedure? Seems hard to believe, but you're the experts. I think many of my issues started when I was young. So, why don't we start with my childhood days, yes? Okay. Let's see. I was raised in a lovely cottage in rural Germany. We didn't have much, but my twin sister, our father, and I got by. There was actually a great famine for much of my early childhood, and often we went without food. I had many happy moments with my family, but the darkest times began when my father remarried. My stepmother always resented my sister and me. We didn't like her much either, to be honest. God, she was horrible. Sometimes she would take my sister and me out for long walks in the forest, and then she'd hurry home. My sister and I couldn't keep up, and we'd often get lost. We learned to leave a trail of whatever we could find on those walks to help us get home. I guess in some ways. Our stepmother helped us become resourceful. My sister is a real fighter. The kind of woman any girl or boy could look up to. She volunteers to work with various youth organizations now. Enough about her. Okay,
what else? Maybe I should talk about my feelings, yes? You may find it hard to believe, but... En tout cas, c'est complet. I've always struggled with various eating disorders and anxiety around food. Eating anything rich makes me feel scared and anxious. It's hard to describe. My sister has actually experienced similar issues, and it has worsened for us both as we've gotten older. That's not normal, now, is it? We've seen countless doctors about this in the past. They've determined that our issues may be trauma-related, but have yet to help us sort out the underlying source. They have yet to fix us. That's why we're here. Je pense que ça va commencer du coup. C'est les créateurs de Painkiller qui l'ont fait. Ah ouais? Je sais que c'est Flying Mollusk, mais Painkiller, je l'ai fait il y a un bail, franchement, ça fait des années et des années, donc j'ai oublié qui c'était qui l'a fait, mais... Écoute, ouais, ouais, c'est peut-être possible. I am pleased to be your guide. When I'm speaking, you can always make a left trigger motion. Ça marche. Et du coup, je vais plus leur faire parler. Welcome to ah, c'est avec la gâchette droite, d'accord. I am pleased to be your guide. When I'm speaking, you can always make a left trigger motion to skip the instruction. Ok. Donc gâchette droite, c'est validé. Gâchette gauche, c'est annulé. Ok. Whether you are speaking with the client directly or neural probing within their mind, it is always imperative to listen. You'll find that every detail of the subconscious is trying to tell its story. In the case of our clients, it's often the forgotten story of the trauma they experienced. Some parts of the client's memory may have become confused or corrupted by the conscious mind's attempts to reconcile or cover up the truth of what happened to them. However, if you look closely and carefully in the right places, you will find that the truth will ultimately shine through. Mm-hmm. While neuroprobing, you will encounter objects that look like photographs. This is how your consciousness interprets the concrete memory moments it finds within the client's psyche. Typically, there are about 10 of these memory photos found in each psyche. The mind can only hold on to so much. You'll find that half of these photos present an actual moment relating to the trauma. The other half tend to be false memory. Merde. Du coup, je l'ai stoppé. Ah, pas bon. While neuroprobing, you will encounter objects that look like photographs. This is how your consciousness interprets the concrete memory moments it finds within the client's psyche. Typically, there are about 10 of these memory photos found in each psyche. The mind can only hold on to so much. You'll find that half of these photos present an actual moment relating to the trauma. Some parts of the subconscious allow you to interact with them. While neuroprobing, make an A button motion to engage with it. Using a right stick motion will allow you to move the item around to examine it further. When you are done, you can make an A motion again, and it will return to its natural position. Some parts of the subconscious, using a right stick motion, when you are done, ah, on peut aussi accélérer le dialogue du coup avec la gâchette gauche, pas mal. It will surface more prominently in the... When you have found all 10 photos, you must put 5 of the memories that actually represent the trauma in the proper order. Doing so will, at last, fully release the memory to the client's conscious mind. Often, he or she will experience a breakthrough at this moment. That breakthrough is what every neuroprober lives for and is the key to the client finally being able to work towards true recovery. D'accord, en gros, sur les 10 photos à trouver, il y en a 5 qui ont un rapport avec le trauma du patient et il faut les mettre dans l'ordre. Ok. Ok, d'accord. Sympa. The most important thing you do as a neuroprober is find and acknowledge these photos. However, this is easier said than done. While some photos are freely available in the subconscious, others are buried deeply within and will need to be coaxed out. Mais cherche un appant du balai. Affectueusement, votre belle-mère. Ouais, ouais, affectueusement, ouais, ouais. Saleté, va. Je te jure. Je
Je vois une porte derrière. Mais comment j'y accède? Alors là. Je ne sais pas. Tiens, là-bas, j'ai pas été. Interacting with one part of the mind can sometimes open up new areas of the psyche. Some things, like these doors, can change their state in response to actions taken elsewhere. Mm-hmm. Bon, on va aller voir ça. Donc là, on est en forêt, avec les petits cailloux qui ont été semés. Façon de saler Gretel. Grâce à ma sœur, je n'ai pas été ajouté au menu du dîner. Quoi? Comment ça? Pour les loups, j'espère. The subconscious doesn't take kindly to intruders, and will take every opportunity to feed off of any sensations of anxiety or tension you offer to it. Mm-hmm. If you can, try to stay calm and peaceful, even in the face of terror. If you can calm yourself, you'll find the subconscious will calm itself too. D'accord, ça sent pas bon ça. Here's an example of a particularly buried memory. Some details of a given trauma can be especially tenacious, but by gently and cleverly listening to the clues the mind gives you, you will find all you need to work through it. Just think of it as a puzzle for you to solve. When you focus on these puzzles, make a left trigger motion if you need to break your concentration. Ça. Je pense qu'il faut changer les œufs selon la couleur des yeux. Mais comment j'intervertis les places? Je sais pas. Je vais voir ça après. Enfin, si j'ai le choix. Je crois que je n'ai pas le choix. Ouais. Ouais, mais je fais comment du coup? Et attends, là il y en a un, ouais. Ce serait là. Ah, dans la bouche. Ah, ah, d'accord. Voilà. Et voilà. Et le dessin est accessible. Oui. Les oiseaux ne chantaient jamais pour nous. Moi je pense que ça n'a aucun rapport avec le trauma. Eh ben oui au fait, hein. Bonne année au fait poteau. En tout cas merci de même, la santé, les succès, hein, les jeux, tout si possible. On va espérer en tout cas. En tout cas c'est sombre ici. Hein. Pinaise. Ok. Coucou. C'est rassurant. Et en plus c'est un labyrinthe. Ok. Nouvelle photo. Un terrible incendie a réduit notre maison en cendres. Mmh. Sympa. Fait du bon. While neuroprobing, your consciousness is lost deep inside the subconscious mind of the client. Though this is a journey that you must make alone, we at the Neurostalgia Institute take the safety of our neuroprobers very seriously.
If you need to access any of your NeuroProber tools or pull your consciousness free, press your finger where a menu button might be. This will bring up your NeuroProber tools and you can proceed as needed from there. Alors, déjà sauvegardons, c'est déjà pas mal. Et le carnet donc, traumatisme, présentation, cause, traitement, ressources. Ah d'accord, c'est juste ça. Non, en fait, c'est juste un tuto complet, en fait, tout ça. Qui te parle de l'institut, qui te parle de ton boulot, avec un mini tuto. D'accord. Ça te montre pas tes collègues qui veulent. Je croyais, mais non. D'accord. Bon, bah, juste une photo ici, on dirait. Ce qui en fait 5. Et nous sommes de retour à l'entrée. Alors, quoi de neuf ? Ah. Nouvelle porte. Do you remember when I mentioned that the client's subconscious can feed off of your fear? Some uniquely vulnerable areas can be very sensitive and dangerous. When you place your consciousness in another's subconsciousness, there is a risk of you getting hurt, of the pain and turmoil of the client's psyche drawing your own mind into its agony. You must be brave in these areas despite the risk. You must stay calm. Should you let your fears get the best of you, it will be incredibly difficult to proceed unharmed. En gros, c'est-à-dire quoi, si t'es face à une créature ou je ne sais quoi, un truc flippant, en gros, faut faire face, tu bouges pas, tu restes devant la personne, ou la créature ou je ne sais quoi, ouais, du coup. Ça serait ça. Faut pas essayer de fuir. Plus je vois rien. Eh, j'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça. Plus j'ai pas de lumière. Ça se trouve, y'a rien. Ça se trouve. Et n'empêche, tu joues au casque, ça doit être terrible. Hein. Je devrais essayer, tiens, ce soir. Le problème, c'est que mon casque n'a pas de micro, donc je ne peux pas streamer avec, avec ce casque-là. Ah merde, j'ai fait le tour. Donc du coup, ouais, si je veux streamer, c'est uniquement avec mon casque micro basique, quoi. You can even pick up and walk around with some objects. To do so, interact with it, and then start walking while holding on to it. Ouais. Je pense que ça a déclenché un truc, mais pas bon. La zone a changé. Il y a une musique flippante quand même. Ok. Je vais croiser quoi, un loup? Le tour. Ouais, c'est un vrai labyrinthe. Ouais, en plus, je vois rien du tout. Ah, ok, il me faut un aliment. Ah bah, ce serait pas ça. Si. Ouf. Eh ouais, c'est clair que tout est mieux avec un casque, tout est mieux. Eh ouais, poteau, comme tu dis. Tac. Alors. C'est encore changé, là. Ouais.
Et bon, comme c'est un vieux casque qui date d'il y a facilement 5 ans, du coup c'est... D'accord. Peut-être. Bah du coup, ouais, c'était un casque de la 360. Donc du coup, pour le chat, c'est pas compatible. C'est juste un... C'est compatible pour le son du jeu, par contre. Donc c'est l'idéal, quand même. Bon, il sert encore. Parce que bon, aussi, au prix où je l'ai payé... voilà, quoi. Il coûte combien, Nevermind? Je l'ai vu sur Steam au tarif de 20€. Donc je pense que sur console, ça doit être pareil. Je pense. Le truc, c'est que ayant le jeu en ma possession, forcément, sur le marché, je vois plus son tarif. Mais en tout cas, sur Steam, il a 20€, donc je pense que ça va être pareil, ouais. Je pense quand même, honnêtement, que c'est un petit peu cher, quand même, pour ce que c'est. Honnêtement, je suis fan du jeu. Franchement, il est kiffant. Pour l'instant, ce que j'en ai vu, j'aime bien. J'aime beaucoup, même. Mieux que Wick, que j'ai fait le mois dernier, en tout cas. Bien mieux. Mais... ça va encore changer. Mais par contre, ouais, 20€, j'ai vu que le jeu dure à peu près 2-3 heures d'après les mecs sur Steam, en tout cas qui l'ont fini, d'après les commentaires dans les forums. Donc, ouais, donc tu dis 20€ pour un jeu fait en 2-3 heures. Voilà, tu fais le 100% en 5 heures grand max, à mon avis, pour les collectibles et tout. Ça fait un peu cher. Remember, this is just a simulation created by the Neuronostalgia Institute. The psyches of actual clients will likely be more complex and often much more terrifying. Ok, donc souvent ce sera bien plus terrifiant que là. D'accord. Bon, encore là, c'est pas grand chose pour l'instant. Cette maison était un piège, des enfants étaient dévorés ici. On parle de cannibalisme là ou... Sympa. Allez, photo 6 sur 10. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas une touche de sprint. Ouais, franchement, pour moi, c'est le seul défaut au niveau du gameplay, c'est qu'il n'y a pas de sprint. Bon, encore, c'est pas extrêmement lent, ça va. Il ne peut pas descendre. Sympa la déco. Des ponts tenus par des statues qui représentent des bras. Car la bande son est pas mal. Il y a bon travail à ce niveau, je trouve. Elle nous a conduits dans la forêt pour nous laisser mourir. Nous avons laissé une piste derrière nous pour entrer à la maison. Une fois, on s'est vraiment perdu. Sympa. Photo 7 sur 10. J'espère que j'en ai pas raté. C'est bien possible. C'est que dans la nuit, c'est pas évident de les voir. Des bonbons, ça. Ils sont de Soleil Gretel. When your consciousness is in another subconsciousness, your psyches will inevitably intermingle. Just as the client's mind can affect you, you will see parts of yourself reflected in the mind of the client. Tread lightly and tread carefully. C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire au point de vue du gameplay? Je sais pas. Bah y'a rien... Non. Eh, j'aime pas trop ça. Attends, il faut aller où là? Je suis perdu. Doit être par ici. Un lapinou. Alors, la démo de la recette, ouais, franchement, je l'ai faite et oh là là, je déteste ça. Ça m'a fait mal au crâne en plus la caméra. Autant je suis absolument fan de Outlast, j'ai fait la démo du 2 il y a quelques temps aussi. Enfin, en fait, j'ai fait les deux à la suite d'ailleurs. Outlast 2 et R7. Outlast 2, franchement, je suis fan. J'ai 3 qui sortent, tout comme le 1. Mais Resident Evil 7, pouah, franchement, la démo, elle m'a dégoûté. Encore, ils ont mis ça comme un Resident Evil, comme un spin-off. Ok, mettre ça comme la suite des précédents jeux,
Non, non, il n'y a plus aucun rapport déjà avec la série, il n'y a plus aucun rapport avec les jeux vidéo, il n'y a aucun personnage connu, de ce que j'ai pu comprendre. Donc ils ont encore voulu faire un reboot, mais bon, ouais, franchement, moi, les reboots, j'en ai un peu marre déjà, puis vouloir faire un... Sympa tout ça. Un arbre fait en chair. Non, puis vouloir un peu copier le Silent Hill pété, non, franchement, non. Pour moi, c'est trop facile. Appétissant. Donc du coup non, je le prendrai pas celui-là. En plus payer 70 euros pour un jeu comme ça, alors que Outlast sera quoi à 15-20 euros pour le même résultat, voire même mieux. Non, franchement non, At le jeu m'intéresse pas. Neurostalgia, we take great measures to ensure our neuroprobers' safety as best we can. However, you are about to proceed through a highly dangerous area that you must face alone. If the client's subconscious becomes too volatile, you will be automatically removed from this area of the mind and taken to a safer area of the mind. Use this as an opportunity to collect yourself. C'est-à-dire une sorte de combat de boss? You will be able to easily return to where you left off, to battle the darkness and chaos that has taken root in the client's subconscious. Ok. Bon. On va voir ça. Je suis mordu par un animal pendant mon sommeil. Par un écureuil donc, on dirait. Sympa les cookies avec une couleur un peu verdâtre. Moisi. Bon, je suis à 8 photos pour l'instant. Je pense qu'il n'y a rien de ratable pour l'instant. Ah, d'accord, des pièges. Je ne peux pas prendre la caisse pour me déplacer. Ouais, je fais comment? On voit les marques au sol, ok, mais c'est super rapide. Comment je suis passé? Ouais. Je sais pas. Je pense que tu pouvais pas passer ça. Hein. Enfin, je sais pas. Ou alors je suis très mauvais. Ah oui, d'accord. Non, j'ai eu peur que mes photos aient disparu. D'accord. Donc, soit il me manque les deux dernières, si c'est dans l'ordre, ou sinon, bah. Je sais pas. On verra. Bon, bah, du coup, je fais quoi? Je recommence, du coup? On dirait bien que oui, j'ai pas trop le choix. Ah, ça me téléporte là. Ah, c'est cool. Ah, franchement, c'est cool ça. Je vais pas tout refaire. Bon, bah, du coup, faut que je le fasse légit. Ah, mais le truc. Le truc, c'est qu'il y a aucun abri. Là, non, il n'y a pas d'abri, non. Il n'y a pas de renforcement pour pouvoir me cacher. Faut faire d'une traite. Je vois absolument pas comment je peux faire. Là, si je passe entre deux machins comme ça. Non, ça me touche. Je vois pas. Je vois pas. Non, du tout. Ça va trop vite pour pouvoir esquiver ça. Et en plus, tu vois rien. Je vais faire un truc déjà. Alors. Graphisme. Luminosité. Tac. Un petit. Ouais, les deux crans supérieurs. C'est déjà un peu mieux. Toujours est-il que je vois pas comment faire. Je vais analyser le truc sinon, voir s'il n'y a pas un pattern. Non. Y a tout qui est ouvert. Ah, c'est chaud. Un cupcake avec un crâne humain, c'est super. Y a pas une touche de saut? Non. At
Neurostalgia, we take great measures to ensure our neuroprober safety as best we can. La sécurité. However, you are about to proceed through a highly dangerous area that you must face alone. If the client's subconscious becomes too volatile, you will be automatically removed from this area of the mind and taken to a safer area of the mind. Use this as an opportunity to collect yourself. When you're ready, you will be able to easily return to where you left off to battle the... D'accord, ça dit que ça. Ouais, bonne chance, merci. Il en faut. Non, mais le truc, c'est que dans un jeu vidéo comme ça, tu t'attends pas à une phase de... entre guillemets, plateforme, on peut dire. Ouais, c'est... Je vois pas quoi faire. En fait, le jeu, pour l'instant, il est pas flippant. Mais ce passage, il l'est complètement. Parce que je vois pas comment faire. Là, il y a aucune ouverture. Là, il y en a très peu. Là, ouais, voilà. Sur les côtés, là, comme ça. Ouais ! Ouais ! Je vais mourir ! J'étais pas loin de la fin. Ah ouais, mais c'est un truc de dingue. Je suis où? Ok. C'est un truc de dingue, franchement. Oh la vache. Non, jeu de plateforme, c'est quand même mon truc en général, c'est mon domaine, mais... Avec une vue FPS, c'est pas... C'est pas la même, quoi. La caméra, elle aide pas. Tac. Ah ouais, bon bah c'est reparti. Ah puis du coup il y a pas de touche de sprint, donc bah... Attends, c'est deux fois le même truc on dirait. Non. 1 2 1 Non. Il y a même pas de stratégie quoi. Non, c'est abusé. Attends, et si j'y vais comme ça? Attends. Tu veux pas que je passe, toi? Tu veux pas que je passe? Ah, je vais mourir. Je vais même plus avancer. Ah mais attends, en fait, j'ai compris. Tant que je bouge pas, je suis intouchable. Ah, en fait c'est bidon. T'as juste en fait à avancer quand il n'y a pas de pic, c'est tout. En tout cas c'est sympa la déco. Un bon petit jambonneau. It was the worst birthday ever. La photo elle a cramé. Ah d'accord. Je dirige un point. Qu'est-ce que je fais avec ce point? Ah, j'ai pris la main. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Je sais pas. Un coin à droite sur le côté des gâteaux. Ah bah ouais, mais du coup, ouais non. Du coup, je pense pas que ça aurait marché la technique, non. J'ai essayé de voir s'il y avait pas une ouverture, mais non, franchement non. En fait, c'est vraiment comme j'ai dit. Hein. T'as juste à avancer quand il n'y a pas de pic, tout simplement. En fait, je cherchais compliqué depuis le début. Et là, il y a une petite musique toute mignonne. Ah bah du coup, ta photo qu'il y avait dans le four. Tac, 9 sur 10. Allez, plus qu'une. Ah mais du coup, s'il y a quand même 5 niveaux, c'est quand même pas mal. C'est combien donc je joue, là? Ça fait... Je sais pas, au moins 40 minutes. Si c'est pas plus. Ouais, quand tu découvres bien le jeu et que tu essayes de bien fouiller partout... C'est quand même... C'est long quand même, ouais. Les mecs qui disent 2 heures, moi je pense que c'est quand même un peu plus. Hein. Du moins quand tu veux fouiller. Mais bon, après c'est vrai que si c'est 20 euros... Ouais, ça fait cher. Ça fait cher. Je l'aurais mis à 12-13, ça aurait été nickel. Surtout que c'est pas un genre de jeu qui a une grosse rejouabilité. C'est ça le truc. C'est un jeu à faire une fois. Deux à l'arrière pour peaufiner pour tous les collectibles si jamais c'est ratable.
pour les succès, si jamais c'est rentable aussi, je ne sais pas. Mais après, voilà. Après, tu reviens plus des masses, quoi. Et le dixième. On était perdu, on a retrouvé une maison qui avait l'air jolie. Ouais, du coup, on s'allait Gretel, quoi, comme je disais. Ouais, je fais de la musique. Piano héros. Ah, franchement, j'aime bien aussi, hein, ouais. Ah, j'aime beaucoup même. Ça me réconcilie un petit peu avec les jeux d'horreur sur One. Pour la plupart, je les avais pas aimés. Oui, que j'avais détesté. Millie the Way, j'ai détesté aussi. En même temps, c'est pas des jeux d'horreur. Pour ça, c'est vraiment des jeux un peu faciles pour faire des vues. Alors, je pense qu'il y a ça. Je vais la mettre. Et je la mets où? Du coup, la belle-mère en premier. Hop. Le coup de la frangine. Franchement, j'ai aucune idée de l'ordre. Allez, on va mettre ça en 3, je sais pas, on va tester. Les oiseaux, on s'en fiche. L'incendie. Ah, peut-être d'abord l'incendie. Ou en deuxième. Ouais, vu que là on voit une maison un petit peu en feu déjà, on dirait. Ça, je vais peut-être le mettre là. Attends. Donc d'abord le coup de la belle-mère qui nous détestait, enfin qui détestait les gosses. Ensuite l'incendie qui a brûlé la maison. Ensuite... Elle a emmené donc, je pense, les gosses en forêt. Donc ça, je vais la retirer. Ensuite, ils ont trouvé une maison donc de la sorcière. Et la maison était un piège. Non, c'est pas ça. This is a simulation, not an actual client. Clients are very nuanced, but this sim may be more simple than you think. Trust your gut based on the clues you saw. Ouais, mais... Ou alors que la belle-mère, on s'en fout. Alors d'abord l'incendie, peut-être. Ouais, mais après quand ils disent... Elle nous a conduit dans la forêt pour nous laisser mourir. C'est la belle-mère. D'abord, on va mettre le coup de la maison qui est un piège. Hop. La maison juste avant. Le coup de la frangine qui l'a sauvée, je pense. On va mettre ça. Hop. On va essayer comme ça. Puis ensuite... ouais. Peut-être retirer l'incendie. Je sais pas si c'est un rapport avec le trauma. Le coup de la belle-mère déjà. Et le coup de la belle-mère qui emmène les gens dans la forêt. Bingo! Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Avec un petit côté énigme. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait un jeu d'horreur avec énigme et puis... Ah. Oh my god. It's all rushing back to me. It's so awful, and I don't want to remember, but yes, I now know the face of my demon. My sister and I, we were taken out into the woods by my stepmother for one of her nighttime walks. We'd usually find our way back by leaving a trail of whatever we could grab before the walk. Marbles, pieces of paper, even pebbles. However, one night... She took us deep, deep into the woods. We brought some bread to leave a trail of crumbs, but all the forest creatures must have eaten them. We were lost, so lost. We tried to find our way back, but it was so dark, and we were in a very strange part of the woods. We were lost for days, hungry and tired. We finally found a house and were so hopeful that someone might be able to help us. That house, though,
That house was no ordinary house. It looked like candy. And there was something off about it. We shouldn't have gone in, but we did. It was a prison for lost children like us. There was a woman in the house who would fatten her prisoners up and try to eat them. And that was going to be our fate. Ah, les contes pour enfants. C'est très gai. She tricked me into getting close to the oven, and before I knew it, I was inside. If it weren't for my clever sister, Gretel, pulling me out in time, I would have been burned alive. We escaped that house and found our way home. After that, things started to get better. Our la belle-mère est morte, la famille a gagné des thunes. Tout va bien. I guess we just forgot about those events. I mean... How could you live with those images and memories inside your mind? Then again, they were always there. The old woman still torturing us beyond memory, beyond time. However, I can now confront my past, confront this trauma. Thank you. It is better to know than not to know. Bon, du coup, j'en ai fait 1 sur 5. Ah, en tout cas, j'aime bien, ouais. C'est pas mal. Bon, du coup, c'était une simulation, c'était pas un vrai patient. Mais bon, je pense que le reste va être dans le même acabit. J'imagine. Succès déverrouillé. Entraînement du neuroprobeur terminé. Terminé l'intro sim. Tac. Alors. Ensuite, what's next? Choisir un patient. Reliquaire, c'est quoi? Reliquaire. Galerie simulée du rendant hommage aux terreurs que notre personnel a vaincu. Ah. Ah. Ça m'intéresse ça, tiens. Mais en gros, tout se passe dans mon bureau, ça veut dire? Non? J'imagine. Mais là-bas, si la porte est rouge, je pense qu'il y aura accès plus tard. Là, il y a d'autres toubibs en gros, ouais, donc d'autres bureaux. Secteur A. Je pense que là, je pourrais y aller. Si la porte est verrouillée, mais en rouge, je pense qu'elle sera désactivée à un moment. Imagine. Les autres portes sont verrouillées, mais il n'y a aucune serrure, quoi. Donc on va aller voir le reliquaire. Bon, par contre c'est vrai que ce passage là c'est un peu embêtant on va dire, parce que c'est un peu long. Et du coup on te met ça avant un chargement. Ça fait un peu comme deux chargements à la suite. Bon heureusement, le chargement n'est pas long. Alors, qu'est-ce que c'est ? Docteur M. Sharks. Sympa. La hauteur. Fear. Ouais, mais de quoi? Peur de quoi? Ah, les clowns. Traditionnelle peur. Les serpents. Encore une peur de je ne sais quoi. C'est quoi ça? Rhodes. Non, je connais pas ce mot-là. Je pense que c'est la population en général. L'agoraphobie. Les araignées. C'est un loop? Ouais, c'est un loop, d'accord. Ah non, quoique. Mannequin sans tête. Les aiguilles. Ouais, d'accord. C'est sympa, mais ça sert pas à grand chose, quoi. C'est juste voir différentes peurs symbolisées en statue. Oui. Ouais, mais je pense pas que ça a un grand intérêt.
Bon, on va commencer le patient numéro 2. Du coup. C'est du Kama Sutra ou... Ouais. Intéressant. Alors, choisir un patient. C'est quoi du coup le reste? Alors, Hazel Spa. Détendez-vous et profitez de cette expérience de neurosport relaxante sur une île lointaine. Ça sera dans le futur. Et dans le futur. Mais quand ils disent dans le futur, c'est quoi? Ça sera disponible quand j'aurai résolu tel ou tel patient? Ou en DLC? Je me le demande. Alors, patient numéro 251. Montre des signes de scopophobie qui ne sont accentués que depuis le décès de sa mère. N'a aucun souvenir conscient de quelconque traumatisme survenu par le passé. Scopophobie. Alors là, j'en ai aucune idée. J'irai bien sur Google voir ce que c'est. Mais en même temps, je peux me laisser la surprise. Ouais. Allez. Bon, je vais quand même mettre la lumière parce que là il fait un peu sombre. Bon, en général pour les jeux d'horreur c'est quand même pas mal, mais bon. Je préfère la lumière. Ça fait moins mal aux yeux. Mes pauvres petits yeux fragiles. Bon, du coup c'est le premier vrai patient. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Non, franchement le jeu est quand même pas mal du tout, hein, j'aime bien. Pour l'instant je suis absolument pas déçu. Et en plus, il est en français, c'est quand même pas mal. I guess I don't know where to start. Anywhere? Okay. Well, I've been a real estate agent for the past 20 years. I graduated from a small college just about half an hour from here actually. I've never been married. I have no siblings. I've always loved cats. I hate churches. I guess I've always been a little bit of a loner. I really hate how people look at me. Especially... Ah, c'est ça alors. I've honestly felt pretty, I don't know, normal. Until about a couple of years ago, after my mother's death. That was when things started to come apart. Do you ever feel like... People are just staring. Ouais, les gens, c'est le mal. Into a room and everyone knows something they're not telling you. I don't know. I just feel awful when I'm around people. Guilty, angry. I had a pretty happy childhood. C'est pas l'air appétissant. My dad passed away when I was just a kid. My mother told me that he died in a car accident. I don't remember that day. Hey, salut poteau. Pourquoi je suis en live quand tu travailles? Bah écoute, travaille pas, c'est tout. Ou alors tu me regardes au boulot, puis voilà tout simplement. Tout simplement, problème réglé. Ah, le vin. Non, en tout cas, non, il fait pas peur pour l'instant. Après, je sais pas, mais en tout cas, le tuto, on va dire, ne faisait pas peur, non, non, non. L'ambiance est pas mal, par contre. Franchement, elle est bien foutue. Mais après, de là à ce que je fasse peur, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. Après, je joue pas non plus au casque, alors bon, ça peut y faire aussi. Après, je pense que si tu joues au casque, hein, sans lumière, ça peut jouer aussi. Ben non, regarde, tu bosses pas, tu me regardes, et puis voilà, c'est tranquille, mec. ouais, par contre... Ouais, le replay, si tu veux, au pire, oui. par contre, il est pas dispo en France, et il le sera peut-être pas, d'après les développeurs, d'après ce qu'ils m'ont dit. Il est uniquement dispo aux US, au Canada, au Mexique, et en Allemagne. Pour le moment. Voilà, et voilà, parce que du coup, ils peuvent pas payer encore pour l'instant le PEGI, qui coûte super cher. Donc pas de classification en Europe, hormis l'Allemagne. Je savais pas que l'Allemagne avait pas de PEGI, mais bon, ouais.
Moi en train de jouer à la dinette, il faisait vraiment chaud ce jour-là, je me souviens avoir eu très soif. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Eh mais ça serait pas... Ça serait pas Alice au Pays des Merveilles? Je sais pas que le coup de la dinette. Pas le décor. Bah après tu pourras le prendre sur le store US, hein, bien évidemment, mais après... J'ai vu que cette année c'est compliqué de prendre les jeux sur les stores étrangers. Même essayer de passer par les cartes prépayées, c'est pas évident. Le paiement passe pas des fois, c'est bizarre, je comprends pas. Je crois que Microsoft a bloqué les stores carrément. Depuis genre 3-4 semaines, c'est bloqué, ouais, c'est pas évident. Par contre, si tu prends une carte prépayée genre sur eBay ou autre, par exemple, une carte US, du montant que tu veux, après ça passe, bien évidemment, là c'est nickel. Et en tout cas, payer une carte cadeau via Xbox.com, c'est problématique en ce moment. Bon, du coup, la porte, elle est où? Ah, peut-être celle-là. Une porte ouverte, normal. Welcome. Ça m'inspire pas confiance. Tu les as payés? Je fais ce que j'ai pu. Oups, je les appelle dialogue. Sympa le filtre. Ça fait ancien film. Au cinéma. Années 50. 60. Avec la télé et tout, la radio, pas mal. Un petit côté Fallout. Par contre, c'est le décor qui est géant ou c'est moi qui suis petit comme un bébé? Bah, du coup, je sais pas quoi faire. Mon curseur il brille pas, donc bon. La manette elle vibre pas non plus. Donc je pense que je ne peux pas interagir avec quoi que ce soit. Y a pas une photo à récupérer? Non. Bah, je pense que je vais aller ailleurs. Sympa les photos sans visage. I'm busy, hon. I'm in the shower, sweetheart. Go ask your father. Bah justement, je vais devoir à poil. Allez, allez. Ah, ouvre. Oh, franchement. Même pas un jumpscare. Ça aurait pu. Ça aurait été marrant. Modern casserole and more. Et y a rien pour l'instant. C'est bizarre. Je peux explorer, mais y a rien à récupérer ou à interagir. Ouais. Ça peut l'air d'être rassurant. Qu'y a-t-il à l'étage? Turn the lights off and go to sleep, honey. Ça, c'est des factures non payées. Pour voir les ténèbres, éteignez la lumière. Logique. Mais d'abord, je vais quand même fouiller un petit peu. Lol. J'ai réussi à récupérer le collectible derrière le coffre-fort. Enfin, dans le coffre-fort. Mais sans l'ouvrir. Papa et ses lettres, il fait toujours de jouer quand le facteur lui en a amené une. Bah, le coup des... Facture impayée, forcément. Ça fout un froid. Permis de port d'armes. D'accord. Le placard, je le sens pas trop. Je sais pas pourquoi.
Ah, mais là, elle est ouverte maintenant. Non, moi, je vais prendre le collectible, je pense, maintenant. Ok. Sympa, les yeux crevés. Bon, bah, le placard, y'a rien. La porte est verrouillée. Je fais quoi? Faut que je trouve des tasses, d'accord. Je suis sûr que c'est Alice. J'en suis sûr. Ah bon. Oh bravo. Bah, tu me diras ça. La boisson favorite de maman, c'était du jus de raisin pour les grands. Ça fait une drôle d'odeur. C'est du vin. Du coup la porte est ouverte. Ouh, c'est un peu tordu. Oh oh. Oh, ça fait bizarre. Ça rappelle un peu Prey. Avec les caméras un peu tordues des fois. Pass in Woz. Je sais pas ce que ça veut dire. Maman disait toujours au revoir papa quand il partait travailler. Ouais, je pense qu'on s'en fiche un petit peu aussi. You killed? Non. C'est un peu effacé, j'arrive pas à voir. Haha, je suis pas le seul à penser ça, alors c'est cool. J'ai pas trop envie d'aller ici. Mais bon, je pense que j'ai pas trop le choix, parce qu'après... Bon, on va essayer, allez. Allez. C'est quoi ce bruit? Entre quelqu'un tousser ou pleurer. Tiens, là-bas j'ai pas été au fait. D'accord. Pas très flippant, mais... Sur le coup, c'est marrant. Même la vache me regarde. Y'a trop de tête, j'aime pas ça. Et bon, après, vu que le jeu te dit... Enfin, d'après le tuto, il faut faire face aux peurs. Je pense... qu'il faut tout regarder. Donc même elle, si elle veut te gueuler dessus, bah tu la regardes. Coucou! En même temps, avec le rouge autour de l'écran, je sais pas si c'est une bonne chose non plus. Je sais pas. Il met le cri. Un cri de démon. Bon, du coup, il y a quoi? Il y a une... Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Un puzzle. Il manque des pièces. Et où sont les pièces manquantes? Ah ah, ça c'est une bonne question. Ah, en voilà une. Eh, au milieu de plein de têtes. Je le sens pas trop là. Je vais peut-être pas les regarder en fait.
Il y en a une à droite, une en face. Tac. Tac. En fait, moi, je vais pas la regarder. En même temps, il y a des... Doucement. Alors, il m'en faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, il en manque. Ouais, il en manque encore 5. Allez, plus de voile. Je trouve ça marrant. C'est pas le but à la base, hein, mais je trouve ça marrant. Je sais pas, j'aime bien. Je dois pas être normal. Du coup, il m'en manque encore une. Ah, ça se... Merde. Ça se modélise. Ah, ça... Ça s'éclaircit, en fait. D'accord. Pas mal. Du coup, il en manque une, mais elle est où? Ah, elle est là. Je pense que ça va gueuler. Et tadam! C'est une église, ça. Elle dit quand même pas les églises. J'aime pas les ombres. je peux pas le choper le puzzle? Non. D'accord. Moi en train d'essayer de servir du lait. J'en ai mis partout. D'accord. Bon. Là j'y ai pas été. On va y aller. En parlant de lait. Zeno, what you've done? Ils savent ce que tu as fait. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué quelqu'un? C'est toi qui as tiré le coup de feu? White as bone. Blanc comme l'os. Ouais. Ah, il manque des lettres. Ou c'est à moi de les poser. Ah, 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 ah. Ah, il faut faire l'écriture qui est marquée sur la porte de la salle de bain. C'était basse. Je sais même plus quoi. De toute façon, on voit un petit peu la forme des lettres. C'est pas bass in. Non, là. Voilà. Oh, il y a beaucoup de lait. Des couteaux! Plein de couteaux! Oh le bruit! Elle m'a dit qu'elle était morte d'un accident de voiture, elle était super triste, elle n'aimait pas quand je posais des questions sur ce qui était passé. Ouais. Est-ce que c'était vraiment un accident? J'en doute. C'est sympa. Bah oui, ils me disent de pousser, ça ne pousse pas. Bizarre.
Ah, faut suivre les traces de lait. Et moi, comme je suis un rebelle, je vais pas les suivre. Il faut qu'il n'y ait pas un truc caché. Ça se trouve, il n'y a rien du tout. Juste perdre mon temps et mourir. Du moins, si je peux mourir, je sais même pas. Bon, bah, on fait des cul-de-sac. Voilà, donc la trace elle est ici. Elle est là. Ah, bizarre. Je vais faire le tour, on verra bien. Enfin, si je peux faire le tour. En tout cas, c'est grand ici. Hein. D'accord. Ah, mon papa n'était jamais à la maison. Je me sentais seul. Non, en tout cas, non, c'est pas un jeu flippant quand même. Non. Enfin, en tout cas, je trouve pas. C'est un jeu un peu macabre, un peu malsain quand même par moment, comme là avec tous les cadavres. Mais sinon, non, c'est pas un jeu vraiment flippant. Mais j'aime bien. Bon. Ouais, il y a quand même 7 sur 10 déjà. Ça avance. Ça avance bien. Ah, le garage est ouvert. Allons voir ça. Encore des factures non payées. Donc je vais traverser une autoroute. Ok. Pourquoi pas. Cela joue quoi? Cela joue à la Frogger. C'est ça. Qu'est-ce que je veux? Je suis une rebelle. Wouhou. Je suis en train de monter les escaliers. Papa travaillait souvent à l'étage. Peut-être qu'on peut faire des puzzles s'il est de bonne humeur. Ouais. Ouais, comme souvent il était. Ah, d'accord. Ça sera un peu un accident de voiture, je pense. Trouve un moyen. Un moyen de sortir. Je pense que la fille a un accident de voiture avec son père. Il faut qu'elle trouve un moyen de sortir de décombres. J'imagine que c'est ça. Oh! Mais. C'est Cyril Hanouna! Le bruit de klaxon, c'est pas très agréable. Et ben écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être passé, c'est sympa de ta part. En tout cas, bah, je te souhaite bonne soirée, bon jeu à toi, et puis à très vite sur un prochain stream. En tout cas, très merci à toi, puis bonne année à nouveau. Ciao, ciao. Alors, et du coup, moi je suis un peu perdu.
pas. Bon, allez, on va monter. J'ai réussi ou pas en fait, là je sais même pas. Donc c'est la même chose qui recommence. Je sais même pas. Puis maintenant c'est vert. Bizarre. C'est quoi, c'est du poison, c'est... dans les égouts. Je sais pas. Bizarre. C'est vrai que du coup je sais même pas si ce que je fais c'est bon ou pas parce que j'ai l'air de tourner en rond depuis tout à l'heure et puis... Je sais pas. Je ne sais pas. Oh, c'est pas fini. Ah, si. C'est bon. Je sors d'une bouche. D'accord, c'est très... c'est très classe. Oh. Oh, oui, c'est... magnifique. Tant de joie, tant de gaieté dans ce, dans cette salle. J'adore. Ah, franchement, j'aime bien. Ah, il s'est suicidé en fait. Ah, tout est lié, le permis de port d'armes. Les factures impayées. Ouais. Bon, maintenant, je fais quoi? Je vais où? Là, il y a un visage. Je vois pas quoi faire. Ouais. Encore un, mais je ne peux rien faire non plus. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis perdu. Appétissant. Ah, j'ai pas vu. Retour à la maison. Enfin, dans le lotissement. Je suis à 9 photos, je crois. Ou 8. Neuf, c'est bien ça. Du coup... une... ah, celle-là. Oh, oh, oh. Quoi, ce troll? Sympa. Ça fout un peu la gerbe, hein, quand même. Quand tu le vis, ouais. Welcome. Où
Poussez-vous, je veux passer. Ça fait mal. Vas-y, moi je passe à l'arrache. Et voilà. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as ma photo, mec? Hein? Puis en plus, quand vous pouvez me regarder, je vous aime pas Dieu. Hein? Ah, la fameuse brique de lait. Ah. Je sais pas c'est quoi le délire en fait avec ça, mais. Pourquoi pas? Je pensais pour après, il y aura une énigme avec. Ben je vais. Ah, peut-être. Peut-être mettre une tasse là. Oui. Puis mettre une tasse là aussi. Et puis mettre une tasse là. Hey. Oh. Carrément. Voilà. Tu vois, comme ça. Je sais pas si c'est bon ce que je fais. Ah, peut-être en mettre partout. Pour qu'il y ait un mouvement perpétuel. Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être que oui. Peut-être que non. Peut-être que je fais nawak. Je sais pas. Je teste. Ah 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 ah. Hey. Allez encore un. Allez, 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 allez. Hop là. C'est passé. C'est magnifique. Trop de classe. Hop là! Il y aura cette tasse? Je me le demande. Oh, je pense que oui. Et par contre, plus ça y va, plus il en faut aussi. Donc, ça va être sympa. Tac. Ouais, il va en manquer. Il va en manquer, genre beaucoup. Ah, mais je peux la reprendre celle-là. Look at me. Look at me. C'est avec le coup des yeux, j'imagine. Attends, et si je retire des tasses là? Si je retire deux là, c'est pas très grave. Par contre, paye ta galère pour mettre les tasses. Je vais essayer de les mettre tous les deux crans. Genre là. Aïe aïe aïe. Ça va être la misère. 2, 2, 2. Ouais, ça peut être pas mal. Hop. Et alors, verdict, est-ce que c'est good? Ça m'a l'air bon. Oh yeah. Et voilà. Et du coup, le cercueil est ouvert. Ok. Est-ce que vous êtes en train de manger? Comment ça, en train de manger? Comment je fais pour la mettre de droite? Comme ça. C'est un zombie ou? Rest in peace. Et il n'y a plus qu'à rentrer.
Riddle. Et puis aussi remettre les... comment dire, les photos dans l'ordre. Ah oui. Watch. Ah, le jeu n'est quand même pas si rapide, hein. Quand tu prends le temps de l'explorer et tout. Non, puis il est bien. Je ne suis pour l'instant pas déçu du tout. Et ça fait quasiment 2 heures que je joue. Donc ça annonce que du bon pour la suite. Alors, bon. Alors, le coup des lettres, peut-être que ça peut jouer. On va commencer par ça. Le coup du vin, je pense qu'on s'en fout. Les parents qui sont pas là, je pense qu'on s'en fout aussi. Le lait, je pense qu'on s'en fout aussi. Peut-être mettre ça en dernier vu que là il est mort. Ça, je vois pas ce que ça peut être. Est-ce qu'il est en train de manger? Ouais, mais oui, ça veut dire quoi? Je sais pas. Peut-être mettre ça en dernier. Je vois pas. Je crois que j'ai vu un guide tout à l'heure sur Steam. Ouais, j'ai trouvé un guide. Je vais m'en inspirer parce que franchement, j'ai aucune idée. Autant le premier, c'était pas très compliqué, c'était Hansel et Gretel, donc l'histoire était plutôt tranquille, mais là, je vois pas en fait sur quoi tu te bases. Est-ce que tu te bases sur le père? Est-ce que tu te bases sur le coup de la boisson? Je sais pas. Alors, ils disent de commencer par le 1. Ah, peut-être après mettre le coup de la... du lait. 6. Ah, bingo. Après, je vois pas. Peut-être du coup ça. Parce que c'est encore un rapport avec la boisson, mais là même là, je vois pas trop le rapport avec le lait et tout. Ils disent quoi après? 8. D'accord, je vois pas trop le rapport là aussi entre ça et puis le reste d'avant. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite 10. Qu'est-ce que papa mange? Et ensuite, ce serait la 9. Je vois absolument pas le rapport entre tout ça, mais... Je vois pas. Je vois pas du tout. Mais bon. Ça marche. Alors bon, on pose pas de questions. Quoique, j'aimerais bien quand même bien savoir pourquoi c'était cette combinaison de là. Et en tout cas, j'aurais pas trouvé tout seul. Ah, ça c'est clair que non. On va voir là. I got thirsty, so I went inside to pour myself a glass of milk. It slipped from my hands and spilled everywhere. I went to tell my mom, but she was taking a shower. Mm-hmm. So I went to tell my father. He was upstairs in his bedroom. Ah, c'est ça, manger. Il mangeait un flingue. Pour se suicider. He had a gun in ah merde. He looked at me, and then he shot himself. He shot himself. Quel enfoiré. Tu suicidé devant les yeux de sa gosse. Comment tu peux faire ça, quoi? Comment tu peux même imaginer faire ça devant tes gosses?
the car accident to protect me from ever remembering. But I guess I always knew that was a lie. I always knew. En tout cas, j'aime bien. Ouais. Le jeu est vraiment très plaisant. Oh non, si je baille, ça n'a rien à voir avec le jeu. Fatigué. Ouais. Succès déverrouillé. 40G, première révélation. Guérir le patient numéro 251. Ouais. Ensuite, choisissons un patient. Ah bah donc tu débloques bien les différentes salles après par la suite en débloquant en finissant les tes patients. Alors, patient 418. Un sans-abri hospitalisé suite à une crise en public. S'est montré incohérent et agressif. Un traumatisme en est peut-être la cause. L'entretien standard de pré-neuroprobing n'a pas pu être mené correctement. Ouais, il a fait une crise en public, mais une crise de quoi? Je me le demande. Nous allons voir ça très vite. Allez, petit chargement. Là, hop, bon. You should come to hell with me someday. D'accord. I'm a monster. Ouais. Ça commence bien. No. No, they're the monsters. Everyone calls me sick. Well, they're sick. Their complaints about dropped calls and thread count. Ils comptent les fils des tissus. Count. What? Count. Count the mistakes. Count the mistakes. There's blood on the mistakes. Whoa. My mistakes. Not my blood. Not my blood. Mais why is it not my blood? Et tu es quelqu'un, lui. I didn't save the world. What kind of goddamn world is it to save? Eh bien... ouais, ça a l'air prometteur. Autant encore les deux premiers patients étaient plutôt soft, si je puis dire. Enfin, le premier c'était une simu, donc c'est pas vraiment un patient, mais encore le premier était quand même plutôt soft. Ah ok, ça c'est les photos. Mais là, ça commence bien, quoi. Ah, cool! Et du coup, on est sous un pont. Façon SDF. Ah, c'est bien foutu, ça, putain, ouais. Ah ouais, classe. Pas mal, la musique. Quoi avec ça? Je sais pas.
Et du coup, je suis les poubelles, comme un SDF là aussi. Mais à quoi ça peut me servir? Alors, je n'ai aucune idée. J'ai pas accès. Ah. Ah mais il est... Je fouille les poubelles, ok, mais bon, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je peux en faire? Oh, un toboggan, je vais le prendre. Non! 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 Je veux le toboggan. Ah, pas cool. Dans Slender, on pouvait le prendre, le toboggan. Ah, je suis trop triste. Ah. Affranchissez-vous de votre avenir et revenez changer. Avec un aigle. Je suis complètement HS. La batterie. J'ai essayé un truc. Non. Ouin. Du coup, je ne sais toujours pas quoi faire. Ah, c'est quoi ça? Voilà. Un recycleur de canettes. Et avec une pièce, je fais quoi? La fout dans la fontaine. J'imagine que une c'est pas assez. Ah, me dis pas qu'il faut que je fasse tout. Ah non, si c'est ça, j'ai la flemme. J'ai la gueule d'un recycleur, moi, ou d'un éboueur. Non mais. Moi je suis un toubib, attendez. Docteur Cladmaster. Oh, tu me vois, moi, faire les poubelles? Un rat mort. Appétissant. Et là, je ne passe pas. On va la prendre là, à travers. Non. Oh, sacrilège. Eh bien, je vais devoir faire le tour. Oui. Et là, quoi qu'il y a? Une canette. Bon, j'espère que 3 ça suffit. Hein. Fog Cosmetics. Maquillage, brouillard. Ah! Ah, c'est fail! What? C'est passé. J'ai pas compris. C'est l'apocalypse. Les zombies. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Des bras qui sortent des immeubles. Ok. Failure, d'accord, sympa. On retient déchets. Sympa.
On ne savait plus qu'on était en train de sauver et qu'on était en train de détruire. Quand tu viens bien, j'ai moins de sécurité. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, truc de dingue. C'est un truc de dingue. Moi, je pense qu'il faut remettre les choses droit. Mais comment dire? Je sais pas. Je suis perdu. Ça, je vois pas quoi en faire. Je vois pas quoi aligner avec ça en fait. C'est quoi ce truc de dingue? Ah, mais non, on revient. Ouais, du coup, lui, je vois pas. Celui-là non plus, je vois pas dans quel sens le mettre. Peut-être comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un P. Ah, mais voilà, ça fait une flèche. Eh ben, c'est pas bon. Là, ça fait une flèche. Ah, ah, ah. Ah, ah, voilà. Ok. De ces gueules, les fantômes. Du coup, ouais, non, je pense que j'ai rien raté. On va y aller. On va y aller. Et je fais quoi? No return. Ouais, je suis d'accord, mais... Mais la porte, elle s'ouvre pas. Ouais, il se passe rien. Je sais pas quoi faire. Bon, c'est bugué ou bien? Parce que bon, là... Je sais pas, mais la porte est fermée. La musique s'intensifie, on dirait. Encore, je suis même pas sûr.
Et ouais, voilà quoi. D'accord, donc si je les touche, ça... ça me blesse. Ouais, dans le doute, hein, je vais me laisser mourir. Et je vais recommencer parce que franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je ne peux pas passer. Une photo! Ah 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 ah. Peut-être pour ça. Bon, ils m'ont jamais compris. Parce que j'avais raté un truc. C'est peut-être pour ça que je pouvais pas avancer. Logique. Donc les photos sont inratables. Bah, en même temps, si c'est une photo importante, oui, forcément c'est inratable, oui. Bon, et maintenant. Oui, je peux passer la porte. Cure blessings. Bon, maintenant moi je saurais que s'il me manque un. Ah, il me faut un code. Je saurais que s'il me manque. Si je peux. D'accord. Si je peux plus avancer, c'est parce qu'il manque une photo. Die, dream, repeat. Meurs, rêve, répète. Enfin, on recommence. Ok. Ok, ok, ok. Count your blessings. Mesurez votre chance. T'es sûr que c'est ça en français? Parce que Kun, pour moi, c'est compter. Blessing, c'est pas prière, tout ça? Ouais. Je vois que le O est souligné deux fois. Serait quoi? Serait un 0 pour le code ici. J'avoue ne pas tout comprendre là. Des rats morts, des bouteilles de vin, c'est super. Mais là il te pointe du doigt un truc, mais c'est quoi? C'est ça qui te pointe du doigt, non? Ah mais... Donc c'est un code à 3 chiffres. Ok. Donc la porte est verrouillée. La porte est verrouillée. Mesurez votre chance. C'est sûr que c'est ça. Moi je pense que la trad est foireuse. Alors du coup si c'est l'indice qui est mal traduit, du coup ça met carrément tout en erreur. Pas ça. Non, du coup, je voulais mettre 5 parce qu'il y avait 5 lettres dans count. 4 et puis 9, mais non, c'est pas ça. Non. Meurs, rêve, répète. Tu vois, je vois pas. Puis il y a des marques sur le corps qui symbolisent des chiffres. Un bâton. Mais bon, il y en a trop. Puis bon, c'est les mêmes. Là, il y a 5. Là, il y a 5. Là, il y a 3. Là, il y a 3. Là, il y a 3. Donc, ouais. Ouais, je vois vraiment... pas. Donc, elle montre la sortie du doigt. Il faut faire quoi? Ah non, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mesurez votre chance. Eh, franchement, non, j'aime pas cette traduction, pour moi elle est pas bonne. Allez, Google Trad, ça peut pas être pire.
Ouais, déjà, il marque « Comptez vos bénédictions ». Mais c'est bien ce que je disais, comptez déjà, il faut compter. Faut compter, mais comptez quoi? Ah, faut compter quoi? Après, sachant que là, le haut est souligné deux fois, ça serait... Je pense que c'est une trace de main, je sais pas. Après, je sais pas, il y a trois cadavres de rats, il y a six bouteilles... Franchement, je vois pas. Ah, et puis là, il y a... Et là, il y a 5 seringues. 3, 5, 6. On va essayer avec ça. Alors, dans l'ordre, déjà. Voilà. Ça le fait. Bon. Ben voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça soulage. Bah du coup voilà, il fallait faire ça. Tout simplement. Il y avait quelque chose qui clochait chez moi, je n'étais pas normal. D'accord. On voit des gens mutilés. Une main. Ok. Sympa. Oh, des pilules. Les pilules de l'amour. Une vision gerbante. Et blip, 2-3. J'espère que je n'ai rien raté. Donc du coup c'est un SDF qui se droguait, je pense. Je pense. C'est sympa la musique là aussi. Oh, il te manque une jambe, toi. Il arrive parfois que pour sauver quelque chose, devrait être quelque autre chose. Hein. Ouais. Ouais, c'est possible, ça. Pour sauver quelque chose, il faut en sacrifier une autre. Ça arrive. Ça arrive. Le dégoût de soi et le manque d'assurance ont toujours fait partie de moi. La moindre chose ne faisait que les renforcer. Un déchet. Il te déteste toujours. Ou quand même essayer. Ouais. Oh, loué soit les oreilles. Il y a des panneaux cassés. Bon, je fais quoi? Je vais où maintenant? Là, non. Là, non plus. Ici, peut-être. Pas, non. Que dois-je faire? Ah, là-bas, il y a de la lumière. Il fait sombre. Oh, encore un couloir tordu. Et entre les couloirs tordus et puis les visions floues, waouh, ça donne mal au crâne quand même à force. Psychédélique. Slender. Comment tu fais de la musique, mec, alors que tes doigts ne touchent même pas le piano? Ouais, bon, ok, oui, c'est un souvenir, hein. C'est une réminiscence du passé. Hors service. Coucou. Encore la même chose, bah. Il y a du recyclage dans l'air. Non, mais... Encore. Et encore. Ça devient un peu lassant. Ouvre.
Allez. En fait, je me demande pourquoi je fais ça, parce que bon, c'est toujours pareil. Ça n'a pas grand intérêt. Et encore. La 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 la. Bon, allez, je monte, ça me saoule. Encore. Ah. Non. Et là. Fuck. Je m'en fous, je monte. Encore. Et ça finit jamais. C'est quoi ce truc de fou? Ah. Coucou. Boum. Oh, mais... Je vois pas trop quoi faire. Là, c'est vrai qu'il est un peu dans le... Dans le bordel. On te fout là-dedans, puis après, débrouille-toi pour trouver une solution. Parce qu'il n'y a aucun indice. Aucun. Rien qui peut te dire, tiens, cette porte-là, elle est différente des autres. Il pourrait y avoir un truc intéressant. Non, là on te met un fantôme, mais bon, la porte à côté, elle est comme toutes les autres. Enfin, est-ce qu'il y a dedans aussi? Ouais. Là, honnêtement, je suis pas fan de cette partie-là pour l'instant. Ouais. Parce que s'il faut se taper les 50 portes qu'il y a ici, avant de trouver une solution, non merci. Oh. J'ai la flemme de chercher. C'est immense! Pourquoi ce truc de ouf? C'est quoi ce truc de ouf? Qu'est-ce que j'aurais pu rater? Il n'y a pas de dessin. Mais j'aurais pu rater un dessin parce que c'était ce qui... Ils ont peut-être bugué le script ou je ne sais quoi, mais ouais, bon, non, on dirait pas. Alors, fouillons étage après étage. Ceci va être passionnant. Non, pour l'instant, franchement, j'adore le jeu. Il est vraiment terrible. Mais ce passage-là, ouais. C'est pas top. Ça, ça ressemble à l'œil du tableau. Ben, j'avais bien vu, sauf que ça n'a aucun intérêt. Et là, il y a un trou. Ou c'est un soleil. Je sais pas. Je fais quoi avec ça? Je vais devenir fou. Devenir fou avec ce passage. Avec cette musique. Ah, c'est trop jovial. Là y'a rien, là y'a rien. Donc j'ai trouvé ici. Ah! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Coucou. Je disséquais des insectes pour le plaisir. Chacun son délire. Pourquoi pas. Et après des gens, c'est ça. Et maintenant, quoi que je fais. Allons tout en haut. Oui. C'est grand. Je crois que c'est sans fin. Ah, c'est toujours pareil, c'est les mêmes fantômes qui apparaissent aux mêmes endroits. C'est le même étage en boucle. C'est quoi ce loop de merde? Ah, j'en sors comment?
Je fais quoi? Coucou. Tu viens m'aider? Et c'est les mêmes portes qui mènent sur les mêmes pièces. Les mêmes portes qui donnent sur les mêmes pièces. Et encore. Je fais quoi? L'ascenseur marche toujours pas. Ah, y'a un truc. Un truc qui brille. Qu'est-ce que c'est? Ah, je vois. Je n'aime pas ça. Oh, trop fort. À l'arrache. Non, il y avait un dessin. Cool. Ah, mon dessin il est là. Il ne représentait pas le chant d'une seule voix, mais le bourdonnement monotone d'un million de murmures. Je les entends toujours, et ils me disent que je ne pourrai jamais rentrer chez moi. Tout ceci est très gai. La boîte magique. Oui. Je la veux. Bonjour. Ouais. La porte est verrouillée. Ça d'où je viens. Coucou petite fille. Pourquoi tu te caches? T'as de beaux yeux. Je sais faire quoi? Ah, là je peux y aller, d'accord. C'était des gens remplis de haine et de colère. Tourne. Oui, de la drogue. J'aime ça. Ah, je revis. La drogue, c'est bien. Non. 8 sur 10, ça avance. Voilà quasiment au but. Encore une musique sympa. Faites ce qui est juste. Seriously, another drop call? Oh non, pas encore les canettes, non je veux pas, non, carnaval, quoi, laisse-moi ouvrir la poubelle, mais pourquoi tu veux pas, Raven, non, oui, non, have fun. Fairhead. Et je veux un ticket, donne-moi mon ticket. D'accord. Il me faut un truc. Peut-être encore des canettes. Peut-être pas, je sais pas, on va voir. Les poubelles sont vides. Des poubelles. Vide. 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 Comme ma vie. Non. Bon.
Y a-t-il pas quelque chose d'utile pour moi? Qu'est-ce que... Pourquoi y a un pied sous le toboggan? Choice is in your hand. End en rouge. Ok. Donc une main. Des douilles, ok. Là il marquait quoi? Right, main droite. Main droite. Ah ah ah. Main droite. J'ai peut-être une idée sur qui il faut faire. Ou de... Pas. On va voir. Donc, main droite. Ça marche pas. Ouais. Je vois pas quoi faire. Pourtant j'ai fait le tour, non? Ah. C'était peut-être ça qui manquait. Par contre après il dit main droite, mais c'est main droite pour qui? Pour moi ou pour lui? Ah. Pour moi je pense. Merde. Ça marche pas. Je sais pas quoi faire. Je suis perdu là. Alors. Qu'est-ce que j'ai pu rater ? Absolument pas. Faut faire un truc avec le couteau et une main droite, normalement. D'après ce que je peux comprendre. Mais ensuite. Parce que là j'ai un peu fait le tour de la zone. J'ai fouillé toutes les poubelles. Et je n'ai rien trouvé. Ceci est problématique. Donc je vois pas plus quoi, ouais. C'est... pas génial. Je vois pas. Bon, je vais mater un truc parce que là, je comprends pas. Un petit guide.
Oui, bah c'est ça, oui. Pendant le carnaval, vous devez chercher dans les sacs à poubelle et trouver un couteau. Ensuite, il faut l'enfoncer dans la main droite de l'idiot. Oui, d'accord. Bon, bah c'est un petit peu ce que je faisais, mais je n'ai pas. Ça n'a pas marché. Bon, bah, je reprends le couteau. Je vais remettre dans la main droite. Et le truc qui est bizarre, c'est que t'as pas d'icône d'interaction. Mais pourquoi? Ah, c'est relou. Où il y avait du sang. J'aurais dû m'en douter. Et voilà. Putain, la solution est à mes pieds, quoi, limite. Elle, au pied du couteau. Ah, purée. C'est toujours trop compliqué. C'est ça mon problème dans les jeux vidéo en général, c'est que je cherche toujours trop compliqué. Donc la solution est à mes pieds. Elle était à mes pieds, tout simplement. Il n'y a pas des mini-jeux la fête foraine? Je ferais bien un petit tour de wagon, tiens. Ouais, y a rien. C'est pas la peine que j'y aille. Oh non, non, pas encore les canettes. Oh non, s'il vous plaît, non. Oh, un dessin. J'ai commencé à me droguer à l'adolescence. Ouais, ça j'avais compris. Il faut de l'argent pour ça. Et pour avoir de l'argent, il faut recycler les canettes. Alors mec, vous serez toujours un intrus. 5, 6, 3. Ah merde! Grrr. Ah! C'est un truc de fou! Arrête pas de bouger! C'est ignoble! Ah, laisse tomber. Ah merde, j'ai fait nawak. Voilà. Voilà. C'est pas bon ça. Non monsieur, ceci n'est pas bon. Eh mais il bouge. Il bougerait pas sans moi là? Non? Non, c'est possible que non, je sais pas. Bon, ça m'embête là. M'embête genre beaucoup. Mais si, il se relève sans moi là. Si, 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 si. L'arranger. Elle est déglinguée. Ah, je suis presque. Non! Pourquoi tu t'es relevé enfoiré? Non, j'avais bon. Non!
Non, je suis absolument pas d'accord. Oh, mais c'est quoi ce truc de fou? Non, j'avais bon. Ah, va te faire foutre. Ah ouais. J'avais bon. M'en fous, 5-6-3. Je sais pas à quoi ça sert, mais je retiens le code quand même. 5-6-3, bim. Comme ça, moi. Non mais le truc de shoot, c'est impossible. Faut gérer deux lignes. En plus, ça bouge. Hors écran. Et en plus... Quoi ? À quoi sert le code? En gros, j'ai tué des gens et... Ils m'ont arrêté, je pense. Les flics m'ont arrêté, un truc dans le genre. Du coup, j'ai le code qui me sert à rien. Je recommence. Ouais. Attends. Parce que là, je peux plus replanter. Ok. Non, je pense que j'ai perdu en fait. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Ah, c'est parce que j'ai touché un mannequin que je suis mort. C'est pas parce que je me suis fait arrêter ou je ne sais quoi. Hein, d'accord. Ouais, ben, toujours est-il que j'ai pas compris ce qu'il faut faire. Mais bon, je sais au moins pourquoi j'étais... J'ai été rebooté ici. Bon. Je pense qu'après ce niveau-là, je vais faire un petit break, ouais. Je sais pas si je ferai le reste du jeu sur Twitch. Je sais pas. En même temps, autant laisser quand même un peu de surprise. Mais ouais. Reste mort. Voilà. Bim. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais si c'est ça, bah c'est un petit peu... Horrifique. Ouais, je suis pas fan de ce niveau là, autant les deux premiers j'ai bien kiffé, mais celui-là je sais pas. Pourtant y a de bonnes idées, mais ouais, non, je sais pas, c'est un peu trop mou. Ça explique pas grand chose aussi. Mettre ce serait le coup des canettes. Parce que je vois que ça niveau
Hey. Hey, ils sont où les canettes? Wow, 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 tu me touches pas toi. Je veux une canette. Une canette. Please. Ça pour rien du tout. Pas quoi faire, encore une fois. C'est frustrant. Touche pas. Du lotissement. Je sais pas à quoi servent les codes, je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas, je suis perdu. Ah, je suis pas fan de ce niveau. Ouais. J'ai marre de faire le tour et puis de tirer sur des mannequins. Bon, je sais pas quoi faire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une solution? Bon. J'ai trouvé un guide en allemand. oui. Du coup, je sais pas quoi faire. Ouais. De toute façon, je vais arrêter. Enfin, je vais finir le niveau et après, je vais aller faire une petite pause. Alors, bon. Ouais, j'ai trouvé un truc là. Hop. On va le traduire. Tac. Il faut ramener 4 canettes. Mais je l'ai pas déjà fait. Ouais, d'accord. Oui, c'est un peu bizarre. Sauvegardons. Alors. Thank you.
prendre les sous, hein. À 3, encore une du coup, une canette, une. Ah, viens là. C'est pas très fun. Bon, je sais beaucoup, c'est pas non plus un jeu censé être fun, mais. Et là non, c'est pas vraiment intéressant à jouer à ce niveau. Bon. Maintenant le tout est un petit peu en... sang. On dirait. Du coup je dois faire quoi? Tout est à feu et à sang comme on dit. C'est le cas de le dire là. Et bien du coup je sais toujours pas ce qu'il faut faire. C'est un truc de fou, hein. Le jeu ne t'indique rien. Ah. J'étais un guerrier, je voulais sauver le monde. Ouais, si tu veux. Ah bah du coup ça m'a téléporté. Bon. Ne m'ont jamais compris. Allez, on va mettre ça là. Je commence à me droguer à l'adolescence. On va mettre ça. Ça. Ouais, non, peut-être pas. Faut un truc qui suit quand même au niveau des textes. Puis ne sait plus qu'il y a rien de sauver, qu'il y a rien de détruire, ça j'aime bien, j'aime la sécurité. Je pense qu'il y a ça, je vais le mettre là. Les deux parlent de sauver, donc. Je pense. Allez, on va essayer ça comme ça. Et c'est pas bon. Alors je vais mater un guide. Je vais pas me prendre la tête. Ah non, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Ouais, alors. 2, 10, 6, 3, 7. Eh, j'avais bon pour celle-là. 2, 10. Je vois pas le rapport. Et le truc c'est que je comprends pas comment tu veux mettre ça en relation, enfin l'un avec l'autre. Là il te dit j'étais un gars, je voulais sauver le monde et ensuite après je passe à je disséquer des insectes pour le plaisir. Il est où le rapport entre les deux trucs? Je comprends pas. Le premier était cohérent. Le deuxième, il n'était pas des masses. Mais la cinématique t'explique pourquoi du comment après. Mais bon, pour comprendre ça de toi-même, ouais, pas compris quoi. Et là, je vois absolument, mais vraiment absolument pas le rapport entre tout ça. C'est pas grave. Heureusement qu'il y a des guides pour. 3 ensuite. Par contre, là, oui, le fait de disséquer et de dire que je suis pas normal, là, ça correspond, ça va ensemble. Et le 7. À
Ah, là aussi, je m'excuse, mais ça n'a aucun rapport. C'est pas grave. J'ai dû me tromper. Oui, j'ai mis le... Non, je sais pas. J'ai pas compris. J'ai dû me fail quelque part. 2, 10... 6... 3... 7, bah oui. Non, c'est absolument pas ça en fait. 2, 3, 6, 7, 10. Alors, donc, 2. Je ne sais plus qui est en train de sauver et qui est en train de détruire. On sent déjà bien, j'ai moins en sécurité, ok. Avec le 3, quelque chose qui est cloché chez moi, je n'étais pas normal. Jusque là, je suis d'accord. 6. Ouais. 7. Ouais, bof. C'est pas ça. Ouais, je me dis qu'ils te mettent deux trucs différents, deux guides différents, mais les deux te disent des trucs qui ne marchent pas. C'est super. Alors soit ils ont modifié le pattern pour la version One, ce qui me paraîtrait quand même bizarre. Je sais pas. C'est un truc de fou. Laissez-moi finir ce niveau. Alors, encore un autre guide trouvé. Ils te mettent ça. Ouais. Ensuite, ils te mettent ça. Ensuite, ça. Ensuite, ça. On donne quoi? Ouais. Ouais. Ah, ça colle mieux déjà. Bingo. Et voilà. Donc ce guide-là est le bon. Ok. Oh. I've been running from my past for so long that I forgot what its face looked like. I see it now. I see it in the faces of my brothers and sisters. I see it in the faces of those I killed. When I killed my first, I died with him, you know. With every drop spilled afterwards, I felt like I became less human and more... something else. Once you understand that death is breathing down your neck, flirting with your friends, cradling your hands around a trigger, you just can't come back from that. Mistakes sometimes look like victories, and victories sometimes become mistakes. In the end, it's all just blood and war, and yet you live them over and over and over again. Is I never came home from war, but this other monster did. This monster doesn't belong in civilian life. I was a prisoner in my own rage and self-loathing, trapped by nightmares and fear. Any noise, smell, or sight could push me off a ledge into hell. The roller coaster at that carnival must have been a real doozy. All I remember is hearing the screams and then feeling nothing but excruciating confusion. Smothering it all in something else seemed like a good idea. It wasn't. It helped take the edge off, but only pushed me further into the darkness. I didn't care. I hated everyone. All those ungrateful who could never understand what those lost their souls went through to protect them. And yet I so long to be part of it again. I lost myself. I was a ghost within shadows.
I know I'm not alone. I know I can get help if I ask. The ghosts won't stop following me no matter how much I try to forget or exercise them with drugs and booze. Perhaps now I can reach out my hand. Not for spare change, but for backup. I guess I could use a little backup for this one last battle. Donc c'est un ex-militaire en fait qui était perturbé par la guerre, par les morts qu'il a causées. Et du coup après il était devenu SDF. Ok. Ah, petit succès, patient 418. Guérir le patient 418, logique. Donc j'ai fait 3 patients sur 5. Mais sur ce, je vais m'arrêter là, je vais faire une petite pause parce que ça fait quand même 3 heures que je joue là, à peu près, je pense, oui, je sais plus. Ouais. Et du coup, après, ce sera le patient 440. La patiente est une personne d'influence qui s'est mise à présenter un sentiment de culpabilité excessif et destructeur à la suite d'un récent incident professionnel. Ses amis et collègues l'ont admise au Neurologia Institute de peur qu'il puisse exister un problème plus profond que la patiente ne réalise. Mmh. Et bien du coup, ce sera donc pour la prochaine fois. Ouais, je vais faire une petite pause et peut-être manger parce que j'ai un peu la dalle. Donc, une petite sauvegarde. C'est tout pour aujourd'hui. Et voilà. Et donc surtout, moi je vous dis... Passez une bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau stream. Ciao ciao guys, thanks for watching, see you later, bye bye.